Bonjour, bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je salue tous mes abonnés, les nouveaux et les anciens. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un secret à faire. Je vous ai dit que je vous donnerai des secrets de temps en temps, au fur et à mesure. Donc là, c'est un secret pour briser les liens de famille, la malédiction familiale. Pour des personnes qui n'ont pas de chance. Vous savez, je vous ai déjà dit, parfois notre blocage provient de, no, de notre propre famille. Ça peut être le mal que nos ancêtres ont fait. Parfois même, c'est nos propres parents. Et nous, on paye les conséquences de leurs actes. Tu vas beau faire les bains de déblocage. Faire ceci, faire les efforts pour avancer, mais tu marques toujours le pas sur place. Tu n'as pas de chance en amour. Tu n'as pas la chance pour trouver du travail. Parfois, tu as un travail, un travail dès que tu arrives dans ton lieu de service. Tu as les gens qui te jalousent pour rien. Tu rencontres les difficultés partout où tu mets les pieds. Tu as toujours des problèmes. Toujours. Il est bien vrai, on ne peut pas vivre sans problème. Mais sachez qu'il y a problème et problème. Il y a certains problèmes qui ne devaient pas nous détruire. Donc, le secret que je vous montre, c'est pour briser les liens de famille, les liens de malédiction. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez, vous allez prendre. Là, c'est juste un exemple, hein. Donc, j'ai pris ce petit bol pour vous montrer. Mais il faut vraiment chercher un grand récipient. D'accord? Vous mettez une bonne quantité d'eau. Dans cette eau, vous allez mettre un œuf. De préférence, mettez l'œuf indigène. Vous connaissez l'œuf indigène, non? La peau du village, là. Utilisez l'œuf de la peau du village. Oui. C'est très important. Vous pouvez utiliser n'importe quel œuf, mais pour ce rituel, il faut l'œuf de la poule indigène, la poule du village, comme on dit souvent. Vous savez, la poule du village, c'est cette poule-là qui se nourrit seule, qui part chercher, qui picote partout. Par contre, nos poules qu'on élève là, on leur donne la nourriture, c'est enfermé. Mais la poule qui marche partout là, vous connaissez de quoi je parle, non? La poule qui marche partout, qui cherche sa nourriture, c'est l'œuf de cette poule qu'il faut utiliser. D'accord? Vous mettez dans votre récipient, vous mettez une bonne quantité d'eau, vous mettez 7 graines de piment de Guinée. Voilà ça ici, le piment de Guinée. Vous allez mettre 7 graines de piment de Guinée. Le rituel est à faire pendant 7 jours. 7 jours. Uniquement le matin. J'ai dit uniquement le matin. On ne le fait pas le soir. C'est le matin. Donc, vous allez faire ce rituel très tôt le matin. Vous pouvez d'abord prendre votre bain, hein, comme d'habitude, vous lavez normalement. D'accord? Mais cette eau va nous servir juste pour laver le visage. Maintenant, quand il faut laver le visage, qu'est-ce qu'on dit? Vous allez prononcer votre nom, moi tel, l'enfant de tel. Si vous connaissez le nom même de vos grands-parents, s'ils sont vivants, même s'ils sont vivants, même s'ils sont morts, il faut parler. Prononcez le nom, le nom de de vos parents. Excusez-moi. Le nom de vos parents. Vous allez dire moi tel, la fille de tel, ou bien moi tel, le fils de tel, moi tel, la petite fille de tel, moi tel, la petite fille Donc prononcez le nom de votre grand-mère ou bien de votre grand-père. Hein? Que vous brisez les liens de malédiction. Que ce qui ne marchait pas dans votre. Donc, vous allez briser d'abord que les blocages,
que vous rencontrez dans la vie, vous allez détruire ça à partir d'aujourd'hui. Moi, la fille de tel, je ne veux plus souffrir. Moi, la fille de ces, je ne veux plus. Je ne veux plus d'échec dans ma vie. Je ne veux plus qu'un homme rentre dans ma vie et sort après 2 mois de relation. Je ne veux plus que mon mariage soit un échec. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, que je sois la lumière, que je vous parle de tout ce qui est... Vous commencez à parler de ce qui est négatif. Vous brisez d'abord tout ce qui est négatif. Et vous finissez par tout ce qui est positif. Vous allez le faire pendant 7 jours. Tous les matins. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez, en parlant comme ça, j'ai dit 7 graines de piment de Guinée, vous allez mettre dans l'eau. Hein? Vous n'écrasez pas, vous mettez juste les 7 graines-là dans l'eau avec l'œuf. Mais maintenant, pendant que vous parlez, vous allez prendre l'œuf, d'accord? Vous frottez sur, je prends l'exemple, là c'est ma petite fille. Hein? Je suis déjà mamie. Donc, vous prenez l'œuf, vous frottez comme ça sur votre visage, sur le front, sur le troisième œil. Vous parlez en disant, moi telle, la fille de telle, je ne suis pas née pour souffrir. Je ne suis pas née pour porter la malédiction de la famille telle. Vous citez le nom de votre grand-mère. S'il a fait des mauvaises choses là-bas, vous brisez le lien, vous coupez les chaînes de malédiction, vous coupez tout. Vous parlez. Dès que vous avez fini de parler comme ça, lavez-vous le visage avec cette eau. Cette eau, l'eau que vous avez mis dans votre récipient doit vous servir pendant 7 jours. Donc, c'est un seul œuf, un seul, et 7 graines de piment de Guinée. Vous n'ajoutez plus. Donc, c'est les mêmes ingrédients que vous allez utiliser pendant ces 7 jours-là. L'eau que vous avez mis, vous n'ajoutez plus une autre eau. C'est la même eau que vous allez utiliser pendant ces 7 jours. D'accord? Excusez-moi, je suis en train de crier. Parce que j'essaye d'expliquer terre à terre pour bien réussir le rituel. D'accord? Il faut écouter ce que Tata Michel dit. Dès que vous finissez de parler, vous allez remettre l'œuf dans votre récipient. Vous partez garder cette eau. Demain matin, vous allez refaire la même chose. Après-demain, la même chose. 7e jour, la même chose. Maintenant, au 7e et dernier jour, quand vous avez fini de laver, vous allez prendre cet œuf-là, l'œuf en question. Vous allez bouillir, donc préparer l'œuf et manger cet œuf. OK? N'oubliez pas de prononcer le nom, les noms de ta grand-mère, qu'elle soit vivante ou pas, ton grand-père, qu'il soit vivant ou pas. Vous savez, dans nos familles, il y a les liens. Tant qu'on n'a pas encore coupé la chaîne, ça va continuer. Hein? Ça vous dérange là, vous les enfants. Ça va aussi prendre vos enfants que vous allez accoucher jusqu'à. Donc, il faut briser le lien. Il faut couper les chaînes. Ces chaînes-là, tant qu'elles ne sont pas encore coupées, vous allez toujours tourner à rond. Il faut briser. Il faut briser. Vous n'êtes pas responsable de ce que vos grands-parents ont fait. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous parlez de tout, de tout, de tout. Commencez par tout ce qui est négatif. Vous brisez tout ce qui est négatif. Vous finissez par tout ce qui est positif. J'espère que vous avez compris. Faites-le avec foi. Juste pendant 7 jours. Tous les matins. Donc, vous vous lavez le visage. OK? Et les graines, hein, au dernier jour, vous allez jeter dans la poubelle. Ce n'est que l'œuf que vous allez préparer et vous mangez cet œuf. OK? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien. Bonne chance. Gardez la foi. Gardez la foi. C'est Dieu qui a le dernier mot. Bye bye, à bientôt.